Salut à tous et bienvenue sur la chaîne Vision Hightech. Aujourd'hui, nous allons voir ensemble la reconnaissance vocale embarquée. Qu'est-ce que la reconnaissance vocale embarquée? Eh bien, ça va être de pouvoir parler à son téléphone sans connexion Wi-Fi, sans connexion cellulaire. Vous allez donc pouvoir bénéficier de différents renseignements, nommer des nouveaux contacts et ceci sans avoir besoin de aucune connexion. Ni de carte SIM, ni de connexion Wi-Fi. Vous allez pouvoir donc lui parler simplement par le biais d'un bouton. Le Estel est équipé de cette reconnaissance vocale embarquée. La reconnaissance embarquée, qu'est-ce qu'on peut faire avec? Comment on peut se servir de Estel? C'est parti, donc c'est sur Vision Hightech. Pensez à vous abonner à la chaîne. En avant donc pour la reconnaissance vocale embarquée. Voilà, donc j'avais déjà fait une vidéo sur le Estel, c'était la vidéo unboxing, c'était la vidéo de présentation de ce téléphone à clapet. Donc c'est un téléphone donc avec des vraies touches à gros caractères, un pavé numérique inversé, noir sur blanc, un écran, un téléphone à clapet classique. Attention pour les personnes qui arrivent sur cette vidéo, ce téléphone est un téléphone spécialement dédié pour les personnes déficientes visuelles. Estel, le S est pour senior, donc pour les personnes aussi ne voulant utiliser aucun téléphone tactile, ce téléphone est parfait pour les gens qui veulent se servir d'un téléphone et point barre. Le gros avantage de ce téléphone, c'est que à l'arrière du téléphone, on trouve un bouton qui peut servir à différentes choses. Déjà, ce bouton peut servir de bouton SOS. Vous allez pouvoir envoyer un SMS SOS à une personne dédiée. Si vous habitez seul, par exemple, avec des problèmes de santé, ce bouton pourra vous aider à appeler une personne à la rescousse. Mais ce bouton ne sert pas qu'à ça, puisque le téléphone, même fermé, vous allez avoir accès aux différents menus, créer des nouveaux contacts, avoir le niveau de batterie, avoir les infos sur le Wi-Fi, etc. sans jamais ouvrir votre clapet. Ça, c'est franchement sympathique et c'est ce que l'on appelle la reconnaissance vocale embarquée. Pas besoin de Wi-Fi, pas besoin de carte SIM, vous pouvez tout simplement avoir de la reconnaissance vocale sans toutes ces connexions. Si je lui demande info Wi-Fi. Wi-Fi est désactivé. Voilà, donc ici, je n'ai mis aucune carte SIM, je n'ai en aucun cas connecté le téléphone au Wi-Fi et pourtant, la reconnaissance vocale est capable de me parler. Par exemple, niveau de batterie. Batterie à 19%. Le téléphone n'est pas ouvert. Si j'ouvre le clapet, on entend bien ici. Appeler. On entend bien que... Écran désactivé. Voilà, le clapet est bien fermé. Et c'est le bouton, le seul bouton derrière qui me permet de faire toutes ces choses. Si je veux rentrer par exemple un nouveau contact, je vais lui dire... Nouveau contact, 01. 43 62 12 11. Veuillez donner un nom à ce contact. United Vision. Votre nouveau contact, Minitel Vision, au 01 43 62 12 11, est créé. Le nouveau contact, Minitel Vision avec le téléphone, 01 43 62 12 11, est créé. Voilà, donc ça franchement, je trouve ça extrêmement génial, cette reconnaissance embarquée. On n'a besoin de aucune connexion pour savoir par exemple le niveau de batterie. On va pouvoir aussi envoyer des messages par exemple sans ouvrir le clapet de notre téléphone. Par exemple, envoyer un message au 01 43 62 12 11. Bonjour, virgule, je suis actuellement... Voici le message, point bonjour, je suis actuellement, voulez-vous que je l'envoie? Non. Ok, on oublie ça. Voilà, donc, comme vous pouvez entendre, c'est assez réactif. On va faire un message complet. Bonjour, je fais un test du tout nouveau téléphone. Il fonctionne très bien, avec sa reconnaissance vocale embarquée, ça marche à merveille. Voici le message, point bonjour, je fais...
fais un test du tout nouveau téléphone fonctionne très bien avec sa reconnaissance vocale embarquée, ça marche à merveille. Voulez-vous... Oui. 01 43 62 12 11. Le message est envoyé. On va pouvoir donc demander ouvrir contact. Liste des contacts. Zone de modification. Modification en cours. Recherchez. SMS. Nouveau contact. 01 01 01 01 01. Veuillez donner un nom à ce contact. Pascal. Votre nouveau contact, Pascal, au 01-01-01-01-01, est créé. Le nouveau contact, Pascal avec le téléphone, 01-01-01-01-01, est créé. Voilà, donc comme vous pouvez entendre, ça marche à merveille au niveau de la reconnaissance. Alors, on va tout de suite ouvrir le clapet du téléphone et voir ensemble les différents menus, puisque dans la première vidéo, je ne vous avais pas fait entendre ces différents menus, les programmes à l'intérieur du STL. Appeler. Alors, on arrive sur Appeler. SMS sélectionné. Contact sélectionné. Accessibilité sélectionné. Paramètres sélectionné. Programme sélectionné. Appeler sélectionné. Programme sélectionné. On va rentrer dans les programmes. Be My Eyes. Gestionnaire de fichiers sélectionné. Horloge sélectionné. Lecteur audio sélectionné. Je lance radio FM. Émission FM. Branchez l'écouteur. Voilà, donc comme vous venez d'entendre, on a aussi une radio FM où simplement en branchant le casque, on aura la possibilité d'écouter la radio sans problème. Émission FM. Radio par internet sélectionné. SOS sélectionné. Voxy Web sélectionné. YouTube. On a même donc YouTube sur ce téléphone. Vous allez pouvoir faire des recherches YouTube une fois. Par contre, cette fois-ci, il faudra être connecté à Internet. Donc, soit par Wi-Fi, soit avec votre carte SIM. Le bouton qui lance la reconnaissance vocale et par derrière est très accessible. Une fois que le clapet est ouvert, on a tout de suite accès à ce bouton et on peut lancer, par exemple, un numéro. Appelez le 01 43 62 12 11. J'appelle le 01 43 62 12 11 pour vous. Veuillez patienter. Téléphone. Réseau mobile non disponible. Voilà, donc comme il n'y a pas de carte SIM à l'intérieur et comme il n'est pas connecté au Wi-Fi, pas de possibilité bien sûr d'appeler. Mais vous avez vu, c'est quand même réactif. La reconnaissance embarquée est parfaite. Elle marche correctement. Et bien sûr, cette façon d'appeler peut être vraiment efficace sans ouvrir le clapet. Le petit bouton derrière permet de lancer l'appel. Appeler. Appel le 06 13 14 15 16. J'appelle le 06 13 14 15 16 pour vous. Veuillez patienter. Et à ce moment-là, vous avez juste à ouvrir votre clapet pour avoir la conversation. La reconnaissance embarquée, c'est vraiment un gros avantage du STL. Je vais vous montrer lors d'un message. Lorsqu'on supprime ou lorsqu'on le ajoute du texte. Ici, appelé, par exemple. SMS sélectionné. Envoyer SMS. Contact sélectionné. Saisi, sélectionné. Saisir un SMS. Zone de modification. Modification en cours. Corps du message. Alors, ici, par exemple, on va lancer directement la reconnaissance vocale. Salut, je suis en train de tester un nouveau téléphone et on va voir si la reconnaissance vocale est bonne ou pas. Salut, je suis en train de tester un nouveau téléphone et on va voir si la reconnaissance vocale est bonne. Voilà, donc par exemple, le dernier mot n'est pas bien dicté. Donc simplement en faisant flèche gauche, on va supprimer le dernier mot. Brancher le chargeur. Simplement donc en faisant flèche gauche. Beau, supprimé. Bonne, supprimé. Et supprimé. Je supprime le dernier mot qui a été écrit. Et si je veux réécouter mon SMS, j'ai juste à appuyer sur la touche tout en haut à gauche. Salut, je suis en train de tester un nouveau téléphone et on va voir si la reconnaissance vocale. Voilà, donc c'est vraiment quand même très efficace au niveau de la suppression des mots, puisqu'on ne supprime pas lettre par lettre, mais mot par mot, pour reprendre instantanément ensuite le SMS
avec la touche micro qui se trouve juste la touche raccrochée ici. Merci d'avoir regardé cette vidéo et on se dit donc à très bientôt pour une prochaine. Pensez à vous abonner à la chaîne, ça fait toujours plaisir. Et n'hésitez pas à mettre en commentaire ce que vous avez pensé de ce téléphone. Merci d'avoir regardé cette vidéo étant président. À très bientôt pour une prochaine. Pensez à vous abonner à la chaîne, ça fait toujours plaisir. Et n'hésitez pas à mettre en commentaire réponse de téléphone. Voilà, donc comme vous avez pu entendre, malgré tout, quelques erreurs de vocalisation. Mais on peut corriger comme je vous ai montré. On se dit donc à très bientôt pour une prochaine vidéo. Merci d'avoir regardé celle-ci, la reconnaissance embarquée du Estel. À très bientôt sur Vision High Tech. Salut à tous.